Salut à toi, je suis David de Marseille, bienvenue dans ce nouveau Training by Wellness. Aujourd'hui, je t'invite à un entraînement basé sur le haut du corps, principalement les épaules et les bras. On va chercher à affiner, tonifier, et tu vas voir qu'on va brûler beaucoup de calories, donc pour ta perte de poids, ça va être top. Tout ce que tu as besoin comme matériel, c'est de ton poids de corps et d'une chaise pour faire un exercice. Si tu es prêt, je t'invite avec moi pour l'échauffement, on y va ensemble. Donc on démarre debout. Pieds parallèles, largeur des hanches, tu fléchis un petit peu les genoux, les bras le long du corps. On va commencer par échauffer la nuque. Tu fais des mouvements de bas en haut. Pas de vitesse. Des grandes amplitudes. Encore une fois. Parfait, tu reviens de face. On tourne de gauche à droite. Toujours bien les épaules basses relâchées. Et un minimum le ventre contracté. Encore un aller-retour. Parfait, on fait des cercles dans un sens. Donc on fait des grands cercles. On stoppe dans l'autre sens. Encore une fois. Parfait, maintenant je t'invite à placer tes mains sur tes épaules et on va faire des cercles vers l'arrière pour l'instant. Inspire par le nez et souffle par la bouche, tranquillement. Ok, dans l'autre sens. Donc on va bien mobiliser cette partie qui va être très sollicitée pendant ce training. Donc on va donner pas mal de mobilité. Ok, stop, regarde maintenant, tu serres tes mains. Ok, et on va passer derrière la tête et repasser devant. On fait quelques répétitions dans ce sens-là. Pense toujours à serrer bien tes abdominaux et garder tes épaules basses. Encore une fois, stop, dans l'autre sens. Donc c'est un très bon mouvement ceci pour mobiliser toute la capsule articulaire de l'épaule et te donner beaucoup de mobilité. Ok, stop, maintenant on se concentre sur les poignets parce qu'on va faire pas mal de bases de pompe et de planche. Donc dans ce sens là, pas trop de vitesse, tu prends ton temps. Parfait, ensuite des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, tu mobilises bien cette articulation-là qui va être mis à contribution pendant les travails de planche, de pompe et pendant la petite surprise que je t'ai réservée. Voilà, parfait. Pour terminer, on fait des grands cercles de bras. Tu croises devant en alternant. Prends de grandes respirations par le nez, souffle par la bouche. Top, dans l'autre sens. Voilà, normalement, tu dois bien sentir les épaules qui chauffent, la température du corps qui augmente, un petit peu le souffle qui s'accélère. Et stop. Parfait, voilà, on est prêt. Donc, ce que je t'ai réservé, c'est très simple. 10 exercices, on va faire 40 secondes d'effort pour 20 secondes de pause, le temps de faire la transition de l'un à l'autre. Ça durera 10 minutes. Et tu pourras le refaire une seconde fois si tu en as envie. Ok ? On va commencer au sol en position de planche. Mains sous les épaules. Les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Bras tendus. On serre les fessiers. Et on attaque par du ce qu'on appelle touche épaule. Alterné. Droite et gauche. Donc tu mets le rythme que tu veux. L'objectif c'est de bien préparer les membres supérieurs aux efforts. Et on rajoute un travail d'abdominaux par la suppression d'un appui. Donc tu fais attention de ne pas faire ceci. Regarde, en bougeant le bassin. Ok ? L'idée c'est de fixer le bassin en serrant les cuisses, les fessiers et tu aspires fort le nombril vers la colonne vertébrale. Encore 10 secondes. Voilà, là tu peux accélérer un tout petit peu si tu veux. 3 secondes. Et break. Ouf, on relâche. Maintenant on passe debout. Et la petite surprise que je t'ai préparée, on va faire un petit peu de boxe. Pied largeur des hanches, genoux souples. On ramène les doigts proches des mâchoires, le dos arrondi, regarde. Le menton rentré. Et on va faire des jabs alternés. 2, 1, top départ. Allez, tu alternes. Droite et gauche. Donc l'objectif, viser droit devant. Tu peux cibler le nez, les lèvres ou le menton d'un adversaire imaginaire. Continue ça, tu me mets de profil, regarde bien. Un bras qui frappe et un bras qui revient au visage.
Très bien ça, on continue. 15 secondes. Allez, tu souffles bien. Tu tournes bien tes épaules. Allez, c'est du bon travail ça. Visualise bien un adversaire devant toi. 3 secondes encore. Break. Ouh. Et le rythme cardiaque accélère déjà. Hein. On repasse au sol du coup. Et on va passer sur des pompes, mais des pompes triceps. Donc tu vas avoir les mains largeur des épaules. Et tu vas descendre avec les coudes le long du corps. Sur les pieds ou sur les genoux, comme tu veux. Départ dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. En bas, en haut. Donc ici, pas trop rapide. Tu vises l'amplitude maximale. Pour recruter le plus de muscles possible. Et avoir le plus de résultats. Donc tu n'oublies pas de bien serrer les coudes. À tout moment, tu peux poser les genoux au sol. Par contre, tu ne t'arrêtes pas. Rappelle-toi que l'objectif, c'est la perte de poids. Donc on doit chercher à être vite essoufflé, le plus longtemps possible, pour brûler un max de calories. Allez, 3 secondes encore. Top. Ouh. Wow, ça va au niveau des épaules? Vraiment, ça doit bien chauffer maintenant. Hein. Ok, rebondis sur place un peu. Secoue tes bras. 10 secondes et on reprend la boxe. Donc visualise bien, tu fermes bien les poings, une tête de quelqu'un qui n'aime pas trop devant toi, et on y va. 3 secondes, 2, 1, et c'est parti. Allez, vise un milieu de visage, et n'oublie pas le retour de frappe. Tu frappes et tu ramènes au visage à chaque fois. Regarde bien, je tourne le buste pour bien activer aussi le tronc, toute la zone abdominale. Encore 15 secondes. Allez, il faut que tu gardes du rythme pour faire accélérer ton cœur. Brûler un max de calories. 10 secondes. Wow. Allez, 5 secondes, on accélère. Encore 3, 2, 1. Wow, break. Ouh. Maintenant, on va se concentrer sur tes triceps. Donc la chaise pour un mouvement qui s'appelle les dips. Wow, en plus c'est cool, on peut reprendre un peu de souffle. Tu t'assois, on met les mains de chaque côté. 40 secondes de dips. En place, on démarre dans 3 secondes. Les fesses dans le vide. Et c'est parti. En bas, en haut. Donc regarde loin devant toi. Simplement, tu écoutes ma voix. Donc ton bas du dos doit être proche de ta chaise. Tu descends le plus bas possible. Sans pousser sur tes jambes. Attention, c'est important. Sans pousser sur tes jambes. Hein. On est sur le haut du corps. On veut sculpter les triceps, hein. Je te rappelle que c'est la partie arrière du bras qui a tendance à vite se relâcher. Donc c'est important de les faire brûler. Accroche-toi, il reste 10 secondes. Allez, pousse fort dans la chaise. Plus que 5 secondes. Dernier. Top. Wow. Normalement ça brûle ici. Hein. Donc on exploite ça avec ta boxe. Hein. Maintenant ça y est, t'as compris comment ça marche. Sixième exercice, hein, sur les 10. Allez, pied largeur des hanches ou un peu plus. Fléchis dans tes genoux. Monte ta garde. 3, 2, 1. Allez, go, c'est parti. On boxe. Dès le départ, tu dois mettre du rythme. Rappelle-toi qu'à tout moment, regarde, tu peux ralentir, mais tu ne t'arrêtes pas. Okay, le but, c'est continuer non-stop à s'entraîner pendant 10 minutes. Ouais. Allez, là, tu as pu récupérer un tout petit peu en relance. Meilleure cadence, plus rapide. Maintenant, cherche plus d'impact. Un peu plus fort. Frappe et ramène, frappe et ramène, frappe et ramène. Allez, 5 secondes, on accélère. Encore, tiens bon, me lâche pas. 3, 2, 1. Pouah, break. Ouh. Parfait, on est au 7ème exercice. Hein. On y est presque. On va reprendre une base de planche. Et on va faire pompe et tirage avec un bras. Tu vas imaginer que tu as des haltères au sol. Et à chaque remontée de pompe, tu tires un bras au niveau des côtes. Sur les pieds ou sur les genoux, on y va ensemble. 2, 1, c'est parti. Pompe, tire, pose la main, stabilise. On change. Pompe, tire, pose la main, stabilise. Voilà, tu essaies, comme à l'exercice de tape épaule, de ne pas bouger le bassin. Travaille des abdos en plus.
Regarde, à tout moment, tu poses les genoux. Ça réduit un tout petit peu l'intensité. Mais au moins, on s'arrête pas et on continue à travailler. C'est l'objectif. Hein. 10 secondes. Allez, tu tiens bon. Les deux dernières, on les fait sur les pieds. Encore une. Hop. Break. Wow. Allez, tu t'accroches. Séance boxe encore. Il nous reste deux séances boxe, un exercice musculaire et c'est terminé. Ok, regarde, bouge sur place avec moi. Écoute tes bras. Tu sens là bien travailler tes épaules, tes bras. Sens ton souffle accéléré. C'est le signe de tes résultats, ça. 2, 1. Allez, go box. Donc là, ce qui va se passer avec la fatigue, c'est que tu vas avoir tendance à perdre un peu la hauteur de la cible, ouais. À frapper peut-être plus bas. Remonte un peu tes mains. Regarde, petite astuce, vise au niveau du front. Comme ça, tu es sûr que si tu fatigues, tu descends en hauteur du visage. Allez, la moitié du temps. Wow. Allez, même si on est dans la boxe et que c'est sérieux, rien ne t'empêche de sourire, hein, toujours. Hein. Allez, reste avec moi. 10 secondes, on accélère. Allez, encore, 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 encore. 5 secondes, accélère plus. 3, 2, 1. Wow. Ok, il reste un exo au sol. Et un exo de boxe et c'est terminé. 15 secondes, souffle. Le dernier, ça va être, pour le sol, pompe climber. Une pompe, et tu vas faire comme si tu mettais un coup de genou dans le sol. Comme s'il y avait un sac sous toi, ok? Main largeur des épaules, démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, une pompe, bam, un coup de genou, on ramène. Pompe, hop, coup de genou, on ramène. Essaye de ne pas simplement juste ramener le genou, mais vraiment mettre un coup de genou, là, regarde. Et bien sûr, regarde, sur les genoux, genou, je passe sur les pieds, coup de genou. Je te rappelle que c'est ton avant-dernier, il n'y a plus rien après, c'est plus que la boxe. Allez. Un vrai guerrier, là, une vraie guerrière. Hop. Il reste 5 secondes. Allez, un dernier pour la route. Hop. Ok. Et normalement, tu es comme moi, hein, on transpire à fond, hein. Il reste le dernier exercice, la boxe. Ok, 40 secondes. Je te challenge sur les 10 dernières secondes à boxer le plus rapidement possible. Ok, sautille sur place. T'es prêt? Prête? 3, 2, on écarte les pieds. Boxe. Allez, c'est le dernier. Hein. Comme si c'était un dernier round. Donc, tu ne cherches pas à vouloir gagner au point. Tu cherches à vouloir gagner au KO. KO des calories, ouais. Là, tu t'es transformé en machine à brûler un max de calories, là. Calorie killer. Allez, accroche-toi. Il reste 15 secondes, ne lâche pas. Moi, je te lâche pas, reste avec moi. Allez, il reste 10 secondes. Let's go, c'est parti, accélère. Le plus de frappe que tu peux mettre. Reste là, 5 secondes. Encore un peu, 3, 2. Wow. Oh oh oh. Eh, bravo chez toi, hein. Super travail. Donc voilà, t'as vu ça? 10 minutes. Bien sûr, si t'en veux toujours plus, je peux t'inviter à faire ce circuit une deuxième fois. Par contre, tu prends une minute de récup, tu bois un coup et si tu veux, tu repars. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère te revoir très vite sur l'application Wellness. Bye bye.